Yo, bien ou bof? Bon alors, je t'avais dit distribution de punition ou je t'avais pas dit? Bon attends, avant de commencer, je vais d'abord te parler de l'application qui sponsorise cette vidéo comme indiqué juste ici, qui n'est autre que OneFootball, l'application number one sur le football. Application totalement gratuite et totalement personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir les équipes que tu veux suivre, les joueurs que tu veux suivre, et il y a absolument toutes les news et toutes les stakes, et c'est disponible sur Android et iOS, et si tu veux la télécharger, comme indiqué juste ici ma gueule, le lien est disponible dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à la télécharger, c'est un bon moyen de me supporter, poto. Et ceci étant dit, on peut maintenant parler du match, enfin de la boucherie, devrais-je dire. PSG 4, Tarlouse 0. On leur a carrément fait bouffer la pelouse du parc au Tarlouse. Moi, chez moi. On a commencé la première mi-temps timidement, même plus que ça, je vais te dire franchement, j'étais pas bien du tout au début du match. Là, la soirée avait très mal commencé avec une blessure de Cavani magnifique. Ça se fait pas zizir. Mais blessure musculaire dès le début du match. Moi, je voulais qu'il déchire les filets et il est parti se déchirer le sclemule, teubé. Ça se fait pas zizir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que ton Totoroel, il a fait rentrer Chupositor à la place. Et du coup, bah, il y a eu 0-0 à la mi-temps, poto. Ça se fait pas zizir. Du coup, après, on commence la deuxième mi-temps normale. Piano, piano. Je prends mon petit schlouk de peps, tout ça, tranquille. Et d'un seul coup, éclair de génie. J'ai pas trop comprendé qu'est-ce qui s'est passé dans ma télé, poto. D'un seul coup, Chupositor, il attrape le ballon autour de lui. Il y avait pas un joueur des Tarlouse, pas deux joueurs des Tarlouse, pas trois joueurs des Tarlouse. Non, il y avait quatre Tarlouse autour de lui, poto. Chupositor qui s'est débarrassé de pas moins de quatre Tarlouse en faisant la roulette à Zizou, tu rends compte ma gueule? Et bim, poteau rentrant, 1-0 poteau. Ça fait zizi. Après choupeau claqué, le choupeau déclic. Choupe pas mal, ça fait zizi. Puis tu sais quoi poteau? À ce moment là, je me suis carrément demandé si c'est pas Neymar qui est rentré dans le corps de choupe pas mal. Oui, choupe aussi, oui. Parce que je l'appelle plus choupositoire maintenant. Ouais, j'hésite entre choupe pas mal, choupe potable, choupe footing aussi, c'est pas mal aussi, oui. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, c'est plus choupositoire. Ah bah oui, y'a que les cons et les sardines qui changent pas d'avis. Je te l'ai déjà dit, les sardines, tu peux leur mettre le pif dans la merde, elles diront quand même que ça sent la rose. Je suis pas comme ça, moi. Moi, chez moi. Ensuite, 5 minutes plus tard, sur une remise de Sarah Briand, bim, but contre son camp de l'autre Tarlouse. Merci, 2-0, poteau. Ça fait zizi. Et un petit peu plus tard, on a eu un penalty, mais Dima Mamia, il l'a loupé. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Dima Mamia, il fait du bon boulot en ce moment. Mais le gardien des Tarlouse, il était chaud. Il a plongé du bon côté, mais je t'ai pas dit. Même en première mi-temps, il a fait vla les arrêts, des frappes à Mbappé tard, tout ça, tout ça. Mais t'inquiète pas pour lui, hein. Lui aussi, il a bouffé la pelouse comme ses autres collègues Tarlouse. Moi chez moi. Et quelques minutes plus tard, Romenote, remise en retrait de Jument Bernard pour choupeau, je sais plus, doublé de choupeau footing. Bim, 3-0 poteau. Ça fait zizi. Et après c'est carrément la débandade. Sur un corner de Dima Mamia, c'est Marroquinho qui vient enfoncer le clou. Bim, tête matchée, 4-0 poteau. Ça fait zizi. Ah ouais, mais j'ai oublié de te dire, avant le but c'est Mbappé qui s'est fait bobo à la cuisse comme Cava magnifique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qui... Pourquoi faire? C'est la chkoumoune ou quoi qu'on a là? C'est impossible. Je comprends pas. On passe une bonne soirée, on a bien rigolé, on a bien rigolé, on a bien rigolé, mais non, il faut toujours qu'est-ce qu'il y a un truc pour tout gâcher. Comment se ferait est-ce? Ça, c'est encore le pouvoir maléfique des GX, mais allez, GX, c'est vers là-bas. Pourquoi toujours nous? Bref. Alors, on avait chuté la semaine dernière face à la bouche à l'arène, mais cette semaine, la réaction tant attendue, elle est bien due. Eh ouais, la distribution de punitions continue, ma gueule. Moi, chez moi. J'ai encore passé une excellente soirée en votre compagnie sur le AZ Canapé Magique, on est de plus en plus nombreux, ça fait zizir. Maintenant, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la distribution de punitions dans les fions. On connaît les bails. Salut.